Bonjour et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Chemin de Traverse. Cette semaine, je vous emmène à Saint-Hilaire-la-Forêt pour vous faire découvrir comment vivaient nos ancêtres, les hommes préhistoriques. Jessica Pillet, bonjour. Bonjour Grégoire. Alors, vous êtes ici la responsable du Cairn. Le Cairn, qui, je vous le rappelle, est un centre d'interprétation sur la préhistoire, basé en gros entre Talmont, Saint-Hilaire et Avrier. Eh bien, ici, on y découvre quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les missions de ce site? Eh bien, le Cairn, c'est un centre de préhistoire qui a pour mission de mettre en valeur le patrimoine local. Parce qu'il faut savoir que sur le Talmondais, où nous nous trouvons, il y a des centaines de menhirs et de dolmens qui ont été découverts il y a plusieurs années de cela maintenant et qui ont permis à ce site de naître. Certains parlent d'ailleurs d'un Carnac vendéen sur ce petit territoire ici. Tout à fait. C'est vrai qu'en quantité de mégalithes, on est sur des chiffres qui approchent ceux de Carnac. C'est la densité à un même lieu qui est différente. Il faut aller les chercher. C'est une sorte de chasse au trésor quand on va sur les chemins du Talmondais pour réussir à redécouvrir ce patrimoine ancestral. Quand on vient ici, on se met dans la peau d'un homme préhistorique, en fait. Tout à fait. Le centre a pour but de permettre aux visiteurs de redécouvrir ce patrimoine par l'immersion. Donc, on propose chaque jour des activités, des ateliers participatifs, des démonstrations. Et tout le musée a cette particularité d'être très tactile. Donc, même dans le musée, on peut découvrir les collections en manipulant les objets et en étant actif et participatif. Nous ne sommes pas ici qu'en extérieur. Il y a une partie musée et une partie parc, donc 350 mètres carrés, trois salles avec des expositions temporaires qui changent chaque année. Ça permet de se renouveler, de ne pas toujours proposer la même chose. Et puis 2,5 hectares de parc dans lequel se déroulent les animations, les démonstrations. Et si on apprenait ensemble à chasser? C'est ce qu'on va faire avec Joe. Joe, il travaille ici, il va nous apprendre à chasser. Bonjour Joe. Bonjour Grégoire. Alors, c'est quoi cet instrument? Alors là, il s'agit d'un propulseur, une arme de chasse du paléolithique qui permet, comme vous allez pouvoir le constater, d'envoyer de longues sagaies. Assez loin. Et c'était un des outils qui était le plus utilisé par les hommes préhistoriques? C'est ça, tout du moins au paléolithique, c'est la première époque de la préhistoire. L'homme de Cro-Magnon, c'est-à-dire nous-mêmes, va mettre au point cette invention aux alentours de 20-25 000 ans avant notre ère. Pour rallonger son bras et multiplier son énergie au tir par rapport à une lance qu'il envoyait à la main. Ça paraît très simple, mais l'idée de rallonger son bras, créer un bras de levier, une articulation supplémentaire, c'est quand même très très bien pensé. Donc on peut être que surpris par l'intelligence de nos ancêtres en matière de chasse et de survie. Alors Grégoire, je vais vous faire essayer le propulseur, pour faire de vous un Cro-Magnon préhistorique. Alors vous allez placer trois doigts sur le manche du propulseur, et les deux doigts, le pouce et l'index, vont vous permettre de maintenir la sagaie dans le crochet qui est à l'arrière, en serrant fort. Vous allez voir, la sagaie va partir seule, vous n'avez pas besoin de lâcher, simplement faire le mouvement. Joe, une fois qu'on a chassé ces animaux, il faut les faire cuire. C'est cela, et pour cela, il faut allumer le feu avec les techniques de nos ancêtres, le frottement de pierre ou le frottement de bois. Ce que je vous propose d'aller voir. Alors, c'est ce qu'on va voir dans un instant. Dans un instant, Joe, puisque en attendant, on va aller découvrir une plante très connue pour ses fleurs. On reste dans la nature. Cette plante, c'est l'incontournable de la Toussaint. C'est la fameuse chrysanthème. C'est un reportage signé Anthony Jamin. À tout de suite avec Joe pour le feu. Samedi 25 octobre dans une pépinière à Mouchamp, la Toussaint. Et dans une semaine et depuis quelques jours ici, c'est l'effervescence autour de la star du moment, le chrysanthème. Je trouve que c'est une jolie fleur.
Et c'est pas morose, c'est pas triste, c'est pas lugubre comme il y a peut-être 30-40 ans. Il n'y a qu'à regarder des cimetières fleuris le jour de la Toussaint et dans les jours qui suivent pour voir sur le plan pictural en quelque sorte. Et c'est très joli en fait. Je ne concevrais pas la Toussaint sans les fleurs. Sans les chrysanthèmes. C'est vraiment la chrysanthème qui recherche, hein, chrysanthème multifleurs. Et après, il y a aussi les grosses fleurs qui sont moins demandées, mais toujours une petite demande quand même, quoi. Le chrysanthème reste la plante principale de la Toussaint. À 80%, c'est la plante qui est demandée pour la Toussaint. Le reste reste des variétés complémentaires pour les gens qui n'aiment pas le chrysanthème. Il me semble que c'était dans les toutes petites jardinières. Hein. Parmi ces variétés complémentaires, le cyclamen, les bruyères ou encore les véroniques. Mais revenons au chrysanthème et remontons le temps de 4 mois. Nous sommes maintenant début juillet et pour l'instant, les futurs chrysanthèmes ne sont que de frêles boutures qu'il va falloir repiquer une à une. On travaille à peu près sur environ 4000 unités de plantes, que ça soit des plantes en coupe, des plantes en pot, des jardinières. Dans notre entreprise, on fait tout manuellement. On n'a pas assez de grandes séries pour avoir des machines. Économiquement, c'est pas rentable. Ces milliers de boutures, sous serre ou en extérieur, il va ensuite falloir les nourrir, et de plus en plus copieusement au fur et à mesure de leur croissance. En fait, on va arroser à l'engrais presque tous les jours, 6 jours sur 7 sur une semaine. À comparaison, un cyclamen, c'est 2 arrosages à l'engrais par semaine maximum. Le chrysanthème, il est sensible à l'engrais là, comme il est là, en petite bouture. Alors que d'ici à un mois, il est très gourmand. Ça peut se comprendre, hein, on voit bien là la plante, la taille qu'elle a maintenant. Imaginez une plante qui va faire 50 cm de large en 4 mois, il faut quand même bien pour qu'elle pousse, il faut de la nourriture. C'est une plante qui est gourmande, qui pousse bien, qui le rend bien. C'est une bonne, pour un jardinier, c'est une bonne plante, hein. On la voit pousser. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette plante est colorée et qu'il en existe pour tous les goûts. Moi, je la choisis pas trop fleurie pour attendre qu'elle soit bien fleurie pour le moment venu. Et petite fleur parce qu'elle tient mieux à mauvais temps. Bah, disons que les plus grosses encombrent aussi les tombes, donc des moyennes comme ça, c'est très bien. En 15 jours à peine, Xavier et sa femme auront ainsi vendu 4000 chrysanthèmes en direct depuis leur exploitation. Nous voici de retour au Cairn, le centre préhistorique de Saint-Hilaire-la-Forêt. Alors Joe, le feu, il est là, prêt à démarrer face à nous. On avait deux systèmes qui ont perduré très longtemps. C'est cela, il pouvait utiliser la percussion de deux pierres et pas deux silex, comme une idée reçue le prétend souvent, mais un sulfure de fer, en l'occurrence de la marcassite, un briquet de silex et un champignon d'amadou pour recevoir l'étincelle. C'est la technique la plus ancienne, qui est très répandue à la préhistoire. Il en existe une autre, le frottement de deux morceaux de bois, méthode que j'affectionne particulièrement, je la trouve plus esthétique, c'est mon goût personnel. Je vais essayer de vous produire un feu avec cette technique qui date du paléolithique, avec un forêt en pin, bois tendre, une planchette en bois de lierre, un autre bois tendre. Le frottement va permettre de chauffer les deux bois pour atteindre une chaleur avoisinant les 400 degrés, nécessaire pour la production d'une braise. Vous pouvez le voir ici, Grégoire, il s'agit d'une braise issue du pin et du lierre. À l'intérieur de la sciure, une petite braise s'est créée. Donc, je vais déposer la braise délicatement dans le nid d'herbe sèche. Et on va voir si l'esprit du feu accepte de rejoindre notre tribu. Et c'est réussi. Voilà. Bravo Joe. Ça impressionne tous les jours le public qui voit ça. Oui, c'est une démonstration qui plaît aux petits, enfants et également aux grands-parents. C'est déjà quelque chose de magique. C'est quand même un des quatre éléments. Produire avec ses mains ce feu avec des techniques ancestrales en seulement quelques secondes, comme vous pouvez le constater,
Ça laisse rêveur sur les capacités de nos ancêtres et nos capacités à nous aujourd'hui pour produire un feu dans les mêmes conditions, avec parfois des produits polluants. Le feu va naturellement permettre à nos ancêtres de cuire leurs aliments. On voit ça tout de suite à côté. Alors Jessica, qu'est-ce qu'on consomme avant tout à l'époque ? Alors à l'époque, bien évidemment, il y a le gibier, mais il y a aussi la cueillette qui intervient dans un premier temps et le ramassage des plantes et des baies sauvages. Donc ils vont ensuite cultiver toutes ces plantes sauvages à partir du néolithique qui marque la fin de la préhistoire. Donc ici, on a un espace avec des baies qui pouvaient être récoltées dès le début de la préhistoire. On a ici notamment un framboisier qui fait le bonheur des visiteurs qui viennent déguster les framboises à la belle saison. Alors Jessica, parmi ces plantes que l'on cultive pour s'alimenter, il y en a certaines aussi peut-être qui ont un intérêt pour se soigner. Hein. Alors oui, on peut le supposer. Effectivement, certaines des plantes aromatiques, comme la sauge qui est juste ici devant nous, ont des vertus médicinales. Alors on ne sait pas s'ils l'utilisaient pour ces vertus, mais il est vrai que leur connaissance de la nature semble tellement importante qu'on peut supposer que les vertus de la sauge, par exemple, pour soigner les bronches en cas de problème pendant les périodes hivernales, ont pu être utilisées et constatées par nos ancêtres à force de les utiliser. Jessica, merci beaucoup de nous avoir reçus ici au Cairn, de nous avoir fait partager ces pratiques du quotidien qu'avaient nos ancêtres. Et j'espère à bientôt. Merci beaucoup, Grégoire. La semaine prochaine, je vous emmène à Chaland pour la visite d'une quincaillerie quasi centenaire. Vous le verrez, elle n'a pas bougé, elle est restée telle qu'elle, c'est-à-dire dans son jus. Quand je rentre ici, je ne suis pas moi-même, je suis dans un autre monde. Quoi. Je suis dans mes 40 ans de vie. Et vous êtes donné à fond. Hein. À fond, à fond, à fond. Et heureux comme tout, heureux, je le dis tous les jours. J'espère que ce petit voyage au temps de la préhistoire vous aura plu et fera de vous un vrai homme de Cro-Magnon. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Chemin de Traverse.